Région Eldorado, on va s'attaquer à l'ensemble de ses activités, les menaces, activités parallèles, il y en a 4. 16 découvertes, on terminera par les magasins. Deuxième menace. Surveillance policière, ça sent le minivan. On n'est pas très loin du quartier chaud. Merde, je le vois pas. On va avoir les flics au cul maintenant. Alors les deux activités suivantes sont l'une à côté de l'autre, des menaces. Alors attention parce que ça peut être taper tout le monde, mais ça peut être également des planques. Chupame el pito! Hasta luego! Stubborn as I don't come any closer! Comment ça s'appelle le... la barrière qui joue le rôle de mur. Arrête, t'es mal. Continue juste à côté. Ah, c'est les drones. C'est les drones qu'il y a dans cette zone. Toujours aussi intéressant, mais... Peut-être sauter par-dessus ça, ouais. Ouais. On reste un. C'est joli ce petit coin avec la piscine là. Oula, attention les gars. Il y a des viseurs dans mon dos. Oh, 4 sur 5, c'est bon, il se tire. Dernière menace. Expo. Star Register News Network. One of you. Oh, oh là là, il me disquit au dernier moment, il est bien. Oula, j'ai écrasé 47. Et voilà, Eldorado, les menaces, c'est fini. Les revenus pour cette région seront augmentés. Eldorado, alors une fois qu'on a implanté une entreprise, les 5 activités de menace, comme d'habitude, apparaissent. Et c'est les Marshals qui sont ici. On va s'occuper d'eux. On the
Let's go. Me dire notoriété 2, il me semble que j'ai tué tout le monde. Ok. Eldorado, première activité parallèle et visiblement on les a toutes débloquées avec ce qu'on a fait avant. C'est parfait. You Josh? Yeah. Tuer les chauffeurs, tirer dans les pneus et tuer les ennemis. What are we doing here? Just picking up some stuff. And you want me to ride shotgun? Yeah, just in case. Should I wait in the car or come with you? Wait in the car. Don't want to freak anyone out. Yes. What happened? You forgot the dealer and stole his van. Seriously? We were just gonna pick up some stuff. Oh shit, they're coming out! Ah, ça démarre souvent comme ça, hein. I'll deal with them. You drive. Here we go. I swear we're gonna die. I'll shoot you myself if you don't calm the fuck down. Light work. Putain, il faut tuer un chauffeur pour y aller, hein. I know there's so many of them. Should have given me a heads up you were gonna pull this kind of shit. I just have the money to pay him. Doesn't matter. If we're gonna work together, I need you to be a team player. Sorry. Just get us out of here. God damn it! Plan de stratégie. What the fuck am I doing? I'm a beast. So what's your end game here? Get away from these guys. Sell the truck, pay my debts, and maybe they leave me the fuck alone. Who's they? A bunch of psychopaths. You better be good for my share. Don't worry, I got you. Why are there so many of them? Nous ennuie. Car's not gonna make it. Yes. We lost him. I owe you big time. Yes, you do. Now let me off here. Another. Pas mal. Ouais, c'est le coup des chauffeurs. Et puis, au pistolet, ça le faisait pas. C'était au M4 que ça rentrait. Et comme j'ai commencé beaucoup au pistolet. Nouvelle activité débloquée. Donc ça c'est fait. Seconde activité qu'on va faire, sabotage en combinaison de vol. On va jouer des wingsuits. We're playing with the high rollers now. You were lucky. Under the gun up here. Five rooftops, lots of muscle. Même pas commencé, il commence déjà à nous tirer dessus.
GG. Cleared the first rooftop, moving on. Eye on the clock now. Allez, je vais te taper de plus loin. Rooftop is clear. Good. Keep moving. So why does a telecom company have armed guards? They're protecting valuable assets. Yeah, but we're talking about a small army here. The army's bigger than you think. For what? Selling phones and data plans? Stakes are high. No one likes to lose. Ah, j'ai pas compris du tout. Pourquoi il a perdu toute sa vie on this rooftop. Two areas left. Y'a plus de balles, hein. Zébulon. Je voulais absolument le buter avec mon dernier chargeur. J'ai bloqué la compétence spéciale du M4. That's the last one. Good game. You cleaned him right out.
Still don't know what the fuck's going on here. As long as we win, who cares? On les pousse, hein. Troisième activité, il va falloir noter... Oh ! Alors ça me fait mal au cœur. Le Fox Tales survit à la colère des idoles. Ça m'embête, quoi. Ça a l'air d'être... Ça a l'air d'être sympa comme endroit. You hit him where it hurts. Get ready for the idols. I am sure. Reste plus que Miss Nunchaku. You can take the idols out, but you can't dress them up. Ouais, petite voiture jaune là. Alors, quatrième et dernière activité, ce sera là-bas. Un peu de looping. Bon, je vois qu'il y a des classiques, hein, voler à basse altitude, taper des trucs. The cache of weapons enough to equip a small army. Where are they holding it? Station over in West Flats. Then let's get those guns. Police will be out in force on the ground and in the air. Bird is armed if you need it. Coming up on the station now. Carrément des lance-roquettes, hein. Incoming! Watch out! Got the payload. These cops are not happy to see me. Phénomène de... Je ne sais pas quoi... Complètement incontrôlable, c'est très très bizarre. Oups. Je peux lâcher le truc, ouais, parce que là... je comprends pas du tout ce qui se passe au niveau de la physique du jeu, ça me fait n'importe quoi. Là par contre à basse altitude quand même. J'ai l'impression que c'est ça le problème, c'est quand je suis à basse altitude il y a... Peut-être avancer un peu quand même.
Et là il part tout seul, je comprends pas ce qui se passe. C'est extrêmement étrange. Oh, this is bad. Surtout que c'est bizarre, ils veulent qu'on fasse de l'écrasement, mais d'un autre côté, même s'il s'écrase que sur lui-même, sa santé est pas en... On va quand même aller le livrer parce que genre... Super défi a l'air d'être... Il a l'air d'être sous-dimensionné le... 30 seconds. Got eyes on you. Bring it on in. Sous-dimensionné en termes de puissance pour... Je m'inquiète pas. Tant bien la première mission m'avait amusé. Tant bien là, pff, la physique complètement innocente du jeu là, c'est. Nouvelle arme, débloquée. Et c'était la dernière activité du coin. Oui, on s'est tranché qu'on était à notre endroit, les 4. Région Eldorado, on s'intéresse à ces 16 découvertes. Région Eldorado, on a déjà un de découvertes liées à cette station météo, et juste à côté, nous avons une photo de déplacement rapide à prendre. Just what the city needs. J'étais en train de prendre le bestiole, mais c'est pas ça. Trop près. Ah. Hey, you are. Un de plus. Suite des découvertes dans Eldorado. Alors attention, je me suis planté. Vous avez trois palettes ici et elles sont du côté de Flat Est. Là par contre, il y aura pas de soucis. On est au niveau d'un complexe aquatique très sympa. C'est dommage qu'il soit déserté. La première fois que je l'ai vu, je l'ai trouvé très chouette. Dommage qu'il soit abandonné. En tout cas. Il y a moyen de trouver des palettes dans Bingo. Le coin. Alors, où est la prochaine? Elle est là. Just what I wanted. Il y a moyen de troisième qui traîne. Excuse me, so mad. La plupart du temps, c'est quand même en hauteur. Hein. It's my lucky day. Alors, notre sixième découverte dans Eldorado, ça va être une histoire cachée. Ah, de l'expérience de l'automobile de Santo Lesso avec le service parc national. Alors, zone particulièrement sympa. Dommage qu'elle soit un peu à l'abandon. On va déjà aller au niveau du panneau. Pas facile celui-là. Hein. Welcome to Go Kart Go. To learn more about the automotive history of Santo Aleso, visit Lake Allegrand. Juste derrière, on en a un. Did you know? From 2002. Donc celui que le deuxième là, c'est le dernier que j'ai trouvé. Celui-là je l'ai trouvé en deuxième. Après le panneau et après j'ai eu du mal. Je me suis baladé dans tout le complexe, qui est vraiment chouette. Et en fait il faut aller là où il y a l'espèce de grande maison avec le toit vert. C'est là où on va trouver nos deux derniers qui nous manquent. This is some shit.
D'ailleurs, faudra que j'essaie parce que je crois qu'on peut, on peut faire des courses de cartes. Le petit dernier, il est là, près de la ligne de départ. T'es sympa celui-là, pas simple. Ah oui, c'est vrai. Faut retourner au panneau. Pire, la zone est vaste, hein. Puis ils arrivent bien à les gâcher. Congratulations, you have completed Go Kart Go. This place has seen better days. Alors ensuite, juste à côté de notre piste de carte, on a de nouveau un ensemble de palettes de drogue qui nous attendent. D'un coup, je vais me faire écraser. I can put this to good use. Alors, où est la dernière? Je vais la spotter parce que... Sur la carte, on a l'impression qu'on est sûr. Just what I wanted. Quand même à quelques mètres. Dixième découverte, cette fois-ci ça va être une photo. On nous dit photographie le panneau de 10 Gallon Saloon. Nouvelle attraction. C'est juste ici. Interesting. Les chapeaux. Onzième découverte, on continue sur la droite, nouvelle photo photographie, une chapelle à Eldorado, l'une des nombreuses attractions locales. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce coin-là, mais tout de suite, quand on arrive au niveau de la photo, on a tout de suite la chapelle qui apparaît avec un joli petit cœur. Looks good. C'est parti. Nous sommes à 11. Et alors juste à côté, on a une poubelle. Boîte à chaussures remplie d'argent. Et châteux, hein. Il nous en reste 4. Alors, je sais pas si on va avoir les 4 dernières, mais en tout cas, on a 2 palettes de drogue. Près de la marina. Et on détecte. Ouais, 2. Il va falloir se mouiller un peu. Just what I wanted. Alors la couleur, ça se fond bien dans le décor. Finalement, j'ai mes 4 dernières. On va la spotter, mais je pense que c'est... Faut que je remonte.
Hey. Sympa la vue. Et ben on a terminé avec les découvertes d'Eldorado. Eldorado, on va s'intéresser à ces trois magasins, deux de vêtements et un salon de tatouage. Alors on va commencer par le quartier chaud. C'est pas ce qu'ils vont nous vendre. I need a new crib at five. Ils ont commencé très fort. Alors par contre, je comprends pas pourquoi ça, ils veulent pas me le. Ouais, c'est parce qu'il faut que je sois. Faut que je sois comment. C'est mes sous-vêtements en fait. Ah, si, ça y est, ils m'ont habillé. La crampe. C'est la crampe. On se retrouve après avoir pris notre déguisement habituel. Qu'est-ce qu'il propose? Bah, par contre là j'ai l'impression que c'est les mêmes tatouages qu'il propose partout. Dernière boutique. Go card go. All right. On va soutenir l'activité. Un peu agité la demoiselle. Et ben voilà pour cette région.